Hey 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 tout le monde, c'est nos protecteurs, ça fait longtemps, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Coliseum. Et je suis en compagnie de Rasto Lucas, salut. Salut, salut. Et de Rasto Lucas seulement. Donc on est avec Socra, un SRAM 199 axé R ou Terre je pense. On est contre Sacri Blue, je vais bien me placer. Déjà le Yop il est pas bon, il est pas petit bon coco. Comme tu le parce sais. qu'il a une capologie, du coup il est forcément il peut pas avoir 12 PA. Oui, j'allais le dire. Sacré oh, ouais. Putain 6000 de vita, oh putain. 6000 de vita la sacré. Un Zobal à 4800 de vitalité, ça va vraiment être une team boubou rox. Ça va vraiment être chaud. Et la sacré va nous faire chier. La sacré est haut. Terre. Un corps à corps au terre qu'il y a, je crois que c'est le marteau des anciens steamers, si je suis pas trop con. Marteau des anciens steamers. Donc elle doit taper à ce corps à corps. Le Zobal doit être terre. 10-6, sacré 10-6. Yop 11-5. Ouais. Oui, et pour moi, le Yop, il a pas de béchasse, je pense. Parce que ça, je crois que la béchasse donne des résistances neutres. Je sais pas. Oui, je crois. Et il en a pas, donc... Attends, je dis au Yop, au SRAM de se passer là, pardon. Il passe invisible parce que de toute façon... De toute façon, il n'y a personne qui peut lui enlever l'invisibilité ouais, en face. Ça, c'est bien. Ça, c'est plutôt correct. Toi, tu nous buffes, tu lances ta coco. Et puis, bah voilà. Normalement ils peuvent pas me rapprocher, donc le Zobal il va foutre des plastrons à plus je sais pas combien. Si en plus ils sont en CC 1 sur 2 ça va être injouable. Bon on va regarder ça tranquillement. Allez Rasto. Tu m'entends? Ouais je t'entends, je comprends. Ouais ouais, c'est possible que tu parlais pas. Je me concentre pendant mes tours de jeu. C'est vrai que pour nettoyer un peu, il y a besoin de se concentrer. Mais bon. Bah oui, beaucoup. Donc le Zobal va plastron. Ils ont 4000 de vita en face quand même. Hein. Notre SRAM à 3200, c'est pas 3400, c'est pas énorme. Et toi, t'es en stuff tank 4200, donc ça va. Donc il fait une transe. Il fait plastron, il fait attends, là, je reprends. Il fait un plastron à 978, donc 1000 de boubou, plus une transe à 700. Donc, ouais. Là, avec le Zobal, ça va vraiment être très. Ça va vraiment être très compliqué. Ouais, je sais pas comment la jouer. Je pense qu'il faudrait focus le Zobal, je sais pas. De toute façon, au pire, on focus le Zobal, le Sacri va sacrifice, de toute façon. Après, ce qu'on peut se dire, c'est peut-être que si le. Ils ont des vieux stuff de tank. Peut-être que ça veut dire aussi que derrière ils ont un Rox, ils ont un Rox 0. Hein. Mais bon. En bah, tapant... Je pense que Liop a un bon Rox. Vu qu'il a un compost, une capologie, ça donne pas mal de force. Ouais. Bon, bah, je suis déjà coop. Je vais revenir vers vous, vous inquiétez pas, je téléporte. Donc, du coup, on focus le Sacri. Mais vous avez trop le choix. Ouais. Le Sacri t'aime bien, tu vois. Et normalement, s'il faut un coup de cac. C'est un marteau d'un steamer si je me suis pas trompé. Non, pour l'instant il vire ta ouais. Il rock vraiment pas très fort pour l'instant. Ah bah attends, il est pas buff. Oui mais même un sacré quand même au début j'en ai déjà vu qui rock c'est du 600 puis du sacré dès le début. Là ça m'a pas l'air de rock c'est du 600 là. Attends, on va regarder ça plus en détail. Le Yop par contre va s'acharner sur moi. Heureusement que j'ai fait une mise en garde pour avoir un peu de reste. À quoi joue The Ball là? Il a le SRAM n'a pas joué du tout en fait. Pardon le SRAM oui. Ouais, il a pas joué, c'est ce que j'aime le rendre compte de ça. Par contre je vais déguster moi. Broncle. À la pression. Qui va me foutre de l'érosion déjà. Bon il t'a pas mis fort, il t'a mis 150 PV d'érosion. Ouais mais il a fait pression donc 30% d'érosion. Il m'a fait 3 fois pression, je trouve ça bizarre d'ailleurs parce que 3 fois pression ça sert à rien parce que c'est que 2 fois cumulable. Donc broke.
Je vais essayer de virer tous les boubous. Ça va être chaud, mec. Oh, ça passe. Ouais, donc déjà tous les boucliers dans le... Donc tu vois, c'est que ça gaspille quand même un tour de virer tous les boucliers. Ouais. C'est trop chelou. Par contre, je vais essayer de vous virer de ce yop qui va vraiment me faire chier. Donc 1, 2, 3, 4, Faut 5, vraiment 6. que tu vires des deux carrément. Il n'y a pas vraiment. Ah, le 6 à rox bien quand même. Bah, en même temps, Dopu, ça passe à travers les boubous, c'est vraiment bien. Bon, c'est facile, c'est la facilité pour un Zubat. Hop, je vais laisser mes amis en plan. Voilà, c'est bon. Donc ça c'est fait. Du Risque coup. sûrement de m'attirer qu'on se fasse un double truc, mais bon, je préfère revenir que de rester avec les deux gogols, sachant que le Zobal, à part des bandades, il veut pas trop se téléporter. Bah si le yop a bon quand même. Ouais, à part le Yav, je parlais du Zobal, deux secondes. Ouais. Bah, ils vont te focus. Bah, ça me paraît. En même temps, ça sert un peu à rien parce que bah. Faut vraiment la défoncer en premier, là, ça crie. Après le... Ouah. Ça, c'est fait exprès. Attends, et puis du coup, il va se refaire boubou. Ah, c'est cheaté quand même. Il y a une bonne team, enfin C'est pas une... une bonne Forcément... composition. C'est une bonne composition plutôt. Ouais, je trouve ça plutôt lourd, quand même. Bah ça. Normalement ça rocks bien. Je vois pas l'utilité de ce que fait le SRAM, mais Si bon. il va le pousser, il va le Ouais, je virer, vois, je je pense. vois. Poisse. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi fait-il poisse? Rasto? Je ne sais pas du tout. Je. Pourquoi fait-il... Pourquoi il fait poisse? C'est pas que ça sert à rien, mais... Ça sert un peu à rien. Bah, elle est pas feu, la sacrée, donc elle a pas d'équipe, déjà, pour commencer. Et voilà, quoi. Ils veulent vraiment me focus, hein. Bon, il a rien fait pendant ce tour, le Yop. Bon, je vais mettre la puissance maintenant. Comme ça, prochain tour. T'as la J'ai la coco. coco. T'as la coco qui est chauffée. Un bon coco, en plus, ça va vraiment... Ça va vraiment mettre du lourd. Voilà, plus de boubou. Si tu passes à travers, normalement, tu peux le terminus, non? S'il n'y a pas de boubou, je le termine Non, normalement. Parce normalement, qu'il ouais. a 0%, mais à mon avis, Il je va sais pas. Je... foutre des boubous, Voilà. voilà. Donc il va foutre Bah, 500 000. tu les vires. Je suis pas sûr de les virer entièrement. 350. Moi Non, faut que je aussi. fasse du 3, faut que je fasse du 250. Oh, quoi que. Moi aussi, c'est Il a bon. combien de reste? Oh, Il a 26. 26, ça 26%, va être mais je chaud, pense que mec. ça. Si, si, Ouais, ça ça passe, passe. ça passe, Ouais. ça passe. Voilà. Je Au double. pire, mets-toi une mise en garde. Voilà. Le bouclier efficace, ça va le plus vite. Ouais, bouclier feu. Il y a la coco. Ah oui, l'autre aussi en face, il a la coco. C'est ballot. Ah merde. Putain, j'ai plus fraction en plus. Ah là 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 là, on Ah a fait merde, une t'as pas petite. regardé. J'aurais dû ému RDS sur nous deux, mais... Ah merde. Bah il va peut-être... Ouais, donc déjà il sacrifie, donc déjà c'est la sacrée qui va prendre tous les dommages. Ouais, mais si je tiens pas, parce que s'il me focus, je suis mort. Bah excuse-moi, mais c'est sur moi qu'ils ont mis l'érosion. Ouais. Mais À moins que le s'il a. SRAM me place, faut vraiment que le SRAM fasse quelque chose ce tour-là. Il a que 5 PM le Yop. Il peut pas bon coco. Donc déjà, ça Faut c'est bon. vraiment qu'il vire le yop. Faut qu'il peur, s'il peut. Je Ou qu'il pense pas. peur, toi, vers les autres, même au pire, tu te prends les deux gars, mais. Non, non, Oh non, là là. il va sur le sacré, c'est bizarre. Il fout l'érosion sur le sacré. Il fout une double arnaque. Voilà, Ouais, mais double arnaque. c'est elle, on va prendre cher. Enfin, je pense c'est moi qui va prendre parce Du que. coup, on va prendre précipice aussi. Ouais, Bah, à c'est mon bon. avis, ah non, il va te Non, focus. bah voilà. Il veut vraiment te terminer là. Je sais pas s'il va te terminer vu que t'as. J'ai les boucliers, ça va être chaud, hein. Ouais, tu vois, je suis mort. Ouais, t'es mort, ouais. Putain. Et On a même. mal joué sur ce coup-là. Bah Il va merde. se barrer, je pense. Tu bois bon coco, tu t'en fous? Non, je fais pas bon coco. Vas-y. Non. Tu oublies pas que c'est la sacrée qui prend le dommage. Ouais, la précipitation, tu vas terminer. Tu peux terminer la sacrée ou pas?
Oui. Tranquille. Voilà, bon, sacrée est morte. Maintenant, est-ce que vous pouvez gérer? Ça c'est dur à dire. Parce que là le SRAM va prendre cher là. Il est contre un mur en plus, c'est mal passé. Il va jouer à la boliche. Un ogival, je sais plus si c'est deux. C'est le stuff ogival, c'est un deux poules quoi. Il va double dague à Ah deux. non, il Dague le à fait deux. pas. Il va double dague. Ensuite, il va appuyer. Il est multi-élément. Ça se. Pas de gui, c'est multi-élément. Faut vraiment que le SRAM joue piège. Qui vire ce mec-là. Qui se fout derrière les murs pour pas être apathie. Ça passe. Ah mais moi faut vraiment faut ouais, il a c'est intéressant, il a des poisons. Il est artère vraiment, il est au petit artère. Donc si faut vraiment que je vire max de PV aux deux. Et après faut compter sur le SRAM. Mais à mon avis je crois qu'au prochain tour je suis mort. J'aurai pas le prochain tour en fait. Donc le double coup de dague. Ensuite il termine son tour. Donc là, ça va être à toi de jouer. Attends, je regarde. Vraiment là, tu vires le maximum de PDV. Donc là on a mis. À mon avis, je suis mort. Pas sûr. Si, si, si. Ah si, ouais. Ah, je sais pas. Je ne sais pas. Ah mais t'as est-ce que t'as précipité le prochain tour ou c'est le tour d'après? J'ai précipité au prochain tour. Donc si je Vous avez tiens, colère il de y a ta colère? vraiment. Y a... Non, il n'y a pas de colère. Il n'y a pas du tout de colère Ah pour c'est pas personne. sûr, c'est pas Ah, sûr. c'est mort, c'est mort. Je suis mort. Ouais, c'est bon, c'est foutu. Ah À mon mais. avis, c'est foutu. Non mais c'est foutu à 100%, tu peux rien faire contre le Yop. Bah, Bref. le Yop me termine lui aussi. Normalement, il a la précipie, donc 1000 PV, c'est facile à descendre. Enfin, hein, s'il est pas, voilà, tu vois. Douillette deux fois. Allez, un deuxième coup et c'est bon. Voilà. Donc on aura j'ai mal joué. On aurait. Immuer 10. Oh, j'ai trop mal joué, ça m'énerve. J'ai mal Ouais, joué. t'aurais mu des RDS, il aurait pas du tout posé sa coco et il y avait Ouais, vraiment moyen. là c'était safe. Là c'était safe parce qu'on se faisait pas tuer, j'avais encore toute ma vita. J'avais encore toute ma vita et je pouvais reboubou, refrac et Ouais, tout. puis là c'est reparti, mais les boubous, c'est mort, C'est foutu. J'ai quand même laissé les gens regarder la fin du colis, mais vraiment. Ah, j'ai trop mal joué, ça m'énerve. Je pensais vraiment pas. J'ai pas pensé à Coco. Bon, c'est pas grave. C'est un colis, mais bon. C'est toujours rageant quand de voir qu'on a perdu lorsqu'on commence à se tromper, quoi. Le SRAM l'a dit en plus, Coco. ouais, mais il a dit à la fin du tour. Ah, c'est vrai, c'est. Oui, ouais. Encore. T'avais plus de PA quand tu connais. Donc là il fait une épée divine. Il perd des points de vie encore le Zobal. Le Zobal. Que fait ce zozo? Il doit être AFK ou je sais pas, il doit bugger. Ah Non. non, c'est bon. Pourtant c'est panneau Givol en colis, on n'en voit plus pourtant. C'est vraiment pas un stuff méga optimisé. Hein. C'est vraiment un stuff Vita, mais vraiment pour les bourrins et ça sert vraiment à rien ce stuff. Mais bon. Bah on dirait qu'il a trouvé un anti-répertu. Un zozo en Givol, je n'ai jamais vu. Bah, c'est la première fois, c'est une première fois toute chose. Une première à toute chose, remarque, c'est vrai. Comme la première fois que je vois un Yop en 11, 11.5, si je dis pas de conneries, en colis. Ouais, parce qu'il a perdu 3 PM. En 11.5, ouais, en colis. Hein. Un Yopter en 11.5. À moins c'est 12.5, mais bon, je crois qu'il a pas assez de karma pour s'acheter un exo. Donc là, il est en Non, moi tilt. je crois plutôt qu'il veut pas du tout chercher à arriver en 12-5. Ça ne doit pas l'intéresser parce que
La capologie, le problème, c'est on peut pas se mettre en Vas-y. 12 PA quand on la prend. Bah, la capologie, elle est remplaçable quand même. Tu peux prendre. Bah, la cape de Stilargue, Ouais, c'est voilà. ce que j'aime, mais bon. Tu peux prendre. C'est vrai qu'au niveau caractéristique, la capologie est quand même plus intéressante. Ouais, mais est-ce que ça sert vraiment de s'intéresser aux caractéristiques? Plutôt que voilà, un bon coco, voilà, c'est énorme. C'est un bon coco, ça fait toute la Ouais, différence. mais quand on tombe contre quelqu'un qui râle PA ou qui met dans l'état pesanteur, on peut rien faire. Bah Donc à ce moment-là, ce qu'il faudrait faire, c'est que si ce mec-là a les Kama, qu'il mette une panneau, tu sais, une panneau. Ah, comment je veux dire? Bah il met un truc avec la capologie et un stuff 12-6. 12-5, pardon. 12-5 ou 12-6 d'ailleurs. À ce moment-là, c'est ce qui aurait de plus faisable, quoi. Donc là, le Yop, il prend des dégâts. Et le Zobal va replastrer normalement. Le Zozo va replastron, voilà. Plastron. Est-ce qu'il a cette PO? Ouais. Non, Bolish. Il le cherche. ouais, pourquoi je fais ça? Un peu broqué, il est un peu cassé dans un bal. Je sais pas ce qu'il veut dire. Il est useless, il va. Donc, le chauffeur lancier qui attaque le double. Broken, hop, cheaté. Mais lui peut chiffre. Est-ce qu'il est cheaté le Zobal? Bah, ça va, je trouve quand même, comme il a une vita correcte, il bouge vraiment fort. Ouais, mais il a. Enfin voilà, il est Dopu, c'est pas optimisé le Dopu. Hein. Son level, c'est vraiment pas. C'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Le Dopu, c'était bien avant. Quand il y avait l'air de fuchsia au Coliseum. Où, vraiment, les gars, la Bolish, il tapait du 850 deux fois. Et il faisait une appui derrière quand il était à moitié du multi-élément. Là, c'était vraiment cheaté. Là, vraiment, ce Zobal, il est pas cheaté. Hein. C'est juste un Bah, Zobal qui fait des boubous assez forts. En panneau Hermine, un Zobal, ça donne la même chose. il fait quand même du 550 à la boliche pour 4 PA, c'est pas négligeable, hein. Surtout que ça passe à travers les boubous, les sacrifices, tout quoi. Du coup, Bon, ouais, je t'accorde un bon point. Ça fait quand même beau, pas mal de dégâts, mais. Ouais, je sais pas. Oh putain, il y a des bots, c'est incroyable. Bon, bah voilà, c'était nos protecteurs pour une petite vidéo. Voilà, malheureusement, on a perdu. Bah, ça doit être la première vidéo que je mets en ligne où on a perdu. Ouais, j'ai vraiment fait le con sur ce colis. Je pense qu'on aurait gagné si j'avais foutu mon IMU RDS. Mais bon, voilà, hein, comme toute chose, bah, je mets ça pour vous montrer mon erreur. Pour au moins que vous regardiez que. Il y a certaines erreurs à pas faire avec un FK. Il faut bien regarder aussi les tours de relance des sorts de frappe assez puissants, épée du destin, colère de Yop, etc. Donc voilà, je vous remercie quand même d'avoir regardé la vidéo. Et puis bah commentez, suggérez, likez, dislikez. Et puis bah n'oubliez pas d'en parler à vos amis, de partager la vidéo si vous en avez envie. Et voilà, bon bah je vous laisse, allez merci. salut.